Yo les gars, c'est Coco Cam, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. Tu l'as vu dans le titre du coup, hein, forcément. C'est quoi déjà le titre? Parce que je fais le malin et tout, mais j'ai complètement oublié ce qu'on faisait. C'est quoi déjà les vidéos qu'elle fait tout le temps, Julie? Une journée dans ma peau, voilà, j'avais oublié. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans une vidéo, une journée dans notre peau. Donc comme tu peux le voir, on n'est pas dans mes écuries, on est dans celle de Lucie. Donc du coup, juste pour t'expliquer un petit peu le mood de cette vidéo, on est un petit peu sur du... Allez, matin, 15h, je me réveille comme une fleur, marguerite dans le macadam, a besoin d'un doliprane. Ouais, grosse soirée, il est 15h, on vient de se lever, quoi. Littéralement, on vient de se lever. Mais du coup, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, eh bien, vous allez nous suivre dans cette petite journée. Voilà, Lucie juste derrière, elle détend en attendant. Ça va être une journée assez cool. Là, Lucie est sur un cheval qui s'appelle Uruguay. Donc, c'est le cheval d'une d'une de ses potes de l'écurie, une des stagiaires de l'écurie où nous sommes, où elle est. Elle est actuellement en vacances. Donc, du coup, elle a demandé à cette petite de venir s'en occuper gentiment. C'est un très, très beau cheval. Il est très, très beau. Il se nomme Uruguay, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Mais en tout cas, voilà, ça va être une petite séance de saut tranquille. C'est un cheval qui est assez stressé, on va dire. Donc ça va être un petit peu drôle, à mon avis. Il y a moyen de faire des petites choses. Et en plus, apparemment, il serait un petit peu planté à l'obstacle. Donc eh bien écoutez, on verra bien, hein. Ça risque de faire de belles petites images. Peut-être même une petite chute, voilà, pour la miniature, ce serait pas mal. On va pas se le cacher. Mais bon, dans tous les cas, je suis en contre-jour. Mais si je me mets dans le temps, ça va être pire. C'est pire. Il n'y a aucun endroit où je suis à peu près bien, c'est vrai, il est pas bien. Donc dans tous les cas, eh bien, écoutez, vous allez nous suivre dans cette journée. Comme je te l'ai dit, je te le répète peut-être, mes petites séances de saut avec Uruguay. Après, on va aller chercher Over. Et du coup, comme ça, c'est un cheval de propriétaire. On peut sauter avec Over, du coup, comme c'est une sa d'épée, hein, je précise bien sa d'épée. Normalement, je vous l'aurais déjà dit dans la FAQ parce que je suis sûr que j'aurai la question. Et on va gérer ça, enfin, on va dresser un petit peu gentiment, va-t-on dire. Parce que là, il a été en vacances, il est énormissime le poney, je vous jure, c'est une boule. Si, il est énorme ton poney, c'est une boule. Ouais, il vit sa meilleure vie, clairement. Donc du coup, va falloir remettre un petit peu au travail, hein, après les vacances. Et puis voilà, c'est ce qu'on va faire. Ça va reprendre du coup un petit peu gentiment. Et puis... Ouais, il va rien foutre. Bref, sur ce, petit retour en arrière quelques minutes plus tôt. Comme je vous l'ai dit, on sort de soirée, on vient de se lever, on est crevé. Donc du coup, on a un petit peu pété un câble. C'est vrai ou c'est faux? Là, tout à l'heure, il y a 2 secondes. Est-ce qu'on a pété un câble? Oui, j'avoue, j'ai pété un petit peu un câble. Enfin bon, bref, je te laisse avec ça. Je te laisse avec les images. Et puis nous, sur ce, on se dit à tout à l'heure. Uruguay, je peux faire mes plans? Ou t'es obligé de regarder le... Coucou, qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu fais sur... Bon les gars, est-ce qu'on en parle de ça? Le sac. Pénélope. Le filet. Attention, suspense. Pénélope. Le tapis. Le tapis, le tapis. Pénélope. T'as quoi d'autre encore de Pénélope, mademoiselle? Cette fille est une fan girl, comme on dit. Ouais, grave. Tu vois, comme à chaque fois que je viens aux écuries, la madame, elle oublie un truc, elle oublie la moitié de ses fringues. Du coup, qui c'est qui fait le gros? C'est la bibi! Comme d'habitude! Ah oui! Change pas une équipe qui gagne! J'ai mal à m'en servir de stabilisateur. Ça fait un moment que je m'en suis pas servi, ça fait un moment que j'ai pas tourné. Mon dieu, je sais pas du tout ce que va rendre cette vidéo. Cette une journée dans notre peau. Putain, j'ai trouvé même plus le titre de la vidéo. Mon dieu. Quand même attendu 3 ans pour faire une journée dans notre peau, c'est plutôt pas mal. Encore, c'est plus dans la peau de Lucie que dans la mienne. Mais. Mais c'est pas grave. Les gars, j'ouvre son coffre. Quelle est la première chose que je vois? Un truc typiquement de Lucie. Ça, il faut le savoir. Lucie, voilà, sa vie. Son coffre le montre bien. Un putain de sac McDo. Elle est maniaque avec sa voiture, mais là, pour le coup, je crois qu'elle l'a oublié. Mission réussie. Lucie, tu m'excuseras, mais je leur ai montré qui tu étais dans la vraie vie. Au vu de ton coffre. T'as un vieux sac McDo avec des pots de McFlurry dedans. C'est ça que tu voulais? Oui. Allons, prends soin, regardez. Mais ça fait hyper longtemps que je les ai. Ouais, enfin bref. C'est un peu dégueulasse, quoi. Tu admets que c'est dégueulasse? Uruguay, mais pas un vent. Mais ouais. Les couilles de toi. De ouf.
Alors les filles, aujourd'hui je vais vous montrer le petit lookbook, comment on va s'habiller pour toute cette séance. Alors je vais vous montrer tout ça. Alors on a un cheval beaucoup trop excité, hein, très clairement, il n'arrête pas de chier toutes les deux secondes. Donc on a mis le petit tapis Pénélope le Prévôt, voilà, il est gris anthracite, plutôt ardoise même je dirais, avec le petit billet de couleur chocolat caramel. Eh oh c'est bon, hein, laisse-moi faire un petit peu ma vidéo. Ensuite nous avons une petite CWD, dont je n'ai plus le modèle, hein, et qui ne nous appartient pas bien sûr parce que bah, on est des michetots, hein, on prend ce qu'il y a. Hein. Ensuite, nous avons les petits flex-on. Voilà, flex-on, c'est la vie, avec les nouveaux autocollants, le marron pailleté. Je suis désolée, ça rend vraiment pas très bien à la caméra. Voilà, c'est comme ça. Mais laisse-moi faire mon plan quand j'y prends. Et pour couronner le tout, les petites guêtres Veridus Olympus en couleur blanche, parce que le blanc fait ressortir bien sur le petit marron. Voilà, voilà. Voilà, tout à fait. Et en plus, j'ai mis ma petite montre Klaoma. Voilà. Et vous avez moins 10% avec le code COCOCAM10. Voilà. Ne me remerciez pas, les filles. Bisous, bisous. Ah bah désolé, mais on me reproche que je fais pas assez ma YouTube spawnée, donc à un moment faut savoir, moi j'ai envie de te dire. Ah oui, et je tiens quand même à dire que je visais personne, hein. Je me moquais de personne. Hein. Il y en a qui vont peut-être comprendre des choses, alors que non, pas du tout. Non, on va mettre dans le titre « Lucie teste son futur cheval ». Point d'interrogation. Oh là là, attention. Uruguay. Peut-être est-ce ça. Oh là là. Bon, hey, j'arrête pas de taper dans le micro, le téléphone, il kiffe pas de ouf. Oui, Lucie monte le cheval d'une abonnée. Oh là là. Abonnée à toi, moi. Bah au moins sur Instagram, ça je le sais, je suis sûr, donc ça passe. Pourquoi il va pas se fermer ce con? Bah merde, je voulais faire un plan un peu cool et en fait j'y arrive pas. Je suis quel genre de connard à mettre mes chaussures de ville pour venir aux écuries? Bon bah je regrette déjà, et on vient juste d'arriver dans la carrière. C'est nickel, impeccable, allez, on doit frotter ce soir, génial. Bon, peut-être falloir attendre qu'elle se mette un petit peu avec, c'est la première fois qu'elle saute avec. Apparemment c'était mieux, je sais pas, du coup j'ai pas vu. Vous avez vu, bon. Non mais faut qu'elle se mette un petit peu avec, hein. Avec, hein, c'est normal, c'est la première fois qu'elle saute avec. Comprendre un petit peu comment fonctionne la bête, j'ai envie de dire. Bon, normal. Oui, je te montre la croix si tu veux. Let's go! Bon là du coup ce qui s'est passé c'est que bah, je me suis un peu arrêté de filmer, je lui ai fait quelques photos quand même. D'ailleurs je te la mettrai là, regarde comment je prends des belles photos. Donc là ce qui va se passer tout simplement c'est qu'elle va enchaîner le petit tour qui tourne entre 80 et un petit mètre. Donc normalement il le fait largement, c'est un cheval de BP Jeps, donc normalement ça devrait aller. Bon bref, on passe avec le tour parce qu'elle est partie au galop. Oula, ta place.
une belle georgette, on va dire. Une très belle georgette, même. C'est signé, elle est déposée. Non, mais aussi, comme t'as pu le remarquer, mon téléphone s'est avéré qu'il n'avait plus de mémoire. C'est génial, Corentin. Tu as des vidéos, il y avait encore la vidéo du bip que je n'ai pas sorti de mon téléphone. Bah voilà, ça, les deux derniers sauts, ils étaient impeccables et bah voilà, bah, je suis niqué, ça me casse les couilles. Putain, je suis con! Pourquoi tu vides pas ton téléphone? Il était trop bien, cheval! Les imprévus de tournage! Bon, bref, sur ce, on va enchaîner un petit coup, mais on va poser la vidéo et on va faire quelques photos. Donc, bah, changement d'appareil, on va passer sur le petit. Sur le petit. Il est marqué où ce con? Il est marqué là. 5D Mark IV, 70 fourmis. Tu vois? Elle a un 5D Mark IV. Ça, c'est une caméra de ouf, mon pote! Ça, ils ont tourné des films avec ça! Et elle me laisse filmer avec mon téléphone! Alors que. C'est trop bien ça, je pourrais faire des trucs de ouf avec ça! Eh ben non! Même pour la filmer, elle, eh ben, elle veut pas! Après cette petite séance fort sympathique, t'es crevé. C'est surtout ça, surtout fort éprouvant. Nous là, on va chercher le petit over qui est tout là-bas au bout. On marche tout ça, et on se retrouve là-bas. Il est aussi au clarge. Oh, mais non, pas... Par contre, t'as vraiment une crinière de poney de pâture là. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh le look. Mais laissez-le. C'est pas un poney, c'est un estomac. Bon bref, du coup, bah elle est sur Mr. Over. C'est le plus beau, le plus beau. Le plus gros. Le plus gros, ouais. Le plus gros, ouais. Là on est bon sur le plus gros. Ah si, il est mignon comme poney, il est mignon. Donc du coup là ce que tu vas faire, c'est une petite séance de dress. Et du coup, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a ici une bavette. Parce que bah du coup, Lucie elle a envie de prendre une bavette. Ça ne sert strictement à rien puisque le poney ne lève pas les potes, hein, vous le voyez bien en concours. Oui, sur le cross ça servira. Parce que madame veut se qualifier à la motte en équiathlon. Ouais. C'est ça. Soit en équiathlon, soit en CC. Ce serait triste, hein. Et puis on a su que c'était possible puisque Julie l'a fait. Voilà. Donc c'est possible de faire l'équiathlon, enfin le cross de l'équiathlon et le CC. Bah en plus, enfin généralement on dit à la motte, cette année les gars qu'ils ont fait le complet, vous avez pris cher. Normalement la motte l'année prochaine ça devrait être beaucoup plus smooth. Hein. Enfin du moins c'est ce qu'il se dit dans le complet à chaque fois. Il y a une année où vous prenez tarif et. Et derrière ça va mieux quoi. Lucie elle attendait avec impatience, elle était là derrière son écran, elle attendait les photos de Julie, elle attendait les photos de Léa, les photos de Lilou, carnet. La vidéo elle est sortie, je l'ai regardée direct. Juste pour voir à quoi ressemblait le cross et voir si monsieur pourrait le faire. C'est compliqué. Compliqué. Bon sur ce, on va la laisser détendre gentiment, on va filmer un peu tout ça, tranquille. Et puis voilà, on va finir la petite journée comme ça. Il est gros. Il a la flemme. Vive le mois d'août. Ça a de la crampe. En même temps, Uruguay. Ah, c'est magnifique. Ah, la Google. Merde. Il fait quoi ce con? Je crois aussi. Et la bouffe c'est de l'autre côté, il y avait de l'herbe là-haut. C'était pas prévu comme ça. C'était pas prévu comme ça. Il retourne à sa vue. Ok. Mais le gogol. Ah bah t'es là toi. Ah bah ici t'avais pourvu. Balade. Non c'est clair. Toi de balade. Bref sur ce les caves, j'ai plus de batterie dans mon téléphone. Bon bah il t'arrête de bouffer. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu. Ouais, un papa, un bébé lapin.
Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit sabot bleu, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux également se passer sur mon Utip hein, si tu veux un petit peu soutenir. Et puis bah voilà, pour soutenir, pour la nouvelle caméra, pour tout ça, il va encore s'arrêter bouffé. Surtout, n'hésitez pas, le petit sabot bleu. Si vous êtes gentil, allez, on dit qu'à 2000 sabots bleus, on fait un Instagram contrôle ma vie avec elle. On leur dit pas qu'on leur a tourné avant, donc quoi qu'il arrive, ça changera rien. Hein, ça on dit pas, parce qu'on le tourne la semaine prochaine. La vidéo, ça en fin de semaine. Non, mais ça on dit pas. Bref, sur ce, les caves, bonne journée, bonne soirée. Je sais pas quand vous regardez cette vidéo. Sabot bleu, abonnement, la cloche, Utip. Et nous, sur ce, on vous dit. Merci de me mettre un. À plus, over. À plus, les caves.